إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 7 dans l'explication des الأصول الستة وعليكم السلام ورحمة الله les six principes et c'est l'explication du Cheikh Ahmed al-Najmi des six principes écrits par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On a expliqué jusqu'à maintenant quatre parmi les six piliers, ou parmi les six principes plutôt, parmi les six usul. Et aujourd'hui on est arrivé au le cinquième, al-khamis, pardon, c'est le cinquième fondement dans la série. Et avant de commencer à parler de ce cinquième principe, j'aimerais faire une petite clarification au sujet d'un point qui a été mentionné vendredi passé de la part de quelqu'un qui est venu prier ici. Puis c'est quelqu'un qui m'a rapporté ces paroles-là en fait. C'est que il y avait une discussion entre deux personnes et une personne des deux qui a dit à l'autre qu'elle était salafie. Donc l'autre personne a répondu en disant il ne faut pas dire qu'on est salafie parce que ça fait soi-disant de la division entre les musulmans et c'est pas bon parce que après soi-disant les non-musulmans ils vont regarder ça et ils vont voir que nous les musulmans on est divisés et puis il faut montrer qu'on est unis, il faut pas montrer qu'on est divisés. Et je voulais juste donc clarifier ce point-là avant de commencer inchallah, c'est que premièrement la Ummah elle est divisée et c'est une réalité. Personne peut le nier. Et c'est pas le fait de se dire salafi qui va changer quelque chose au fait que la Ummah est divisée. Ça, le fait de se dire salafi, ça ne fait pas augmenter la division de la Ummah. Au contraire même, si ça se trouve, ça aide à la diminuer. Et pour différentes raisons qu'on va expliquer, inshallah. Mais premièrement, il y a une chose importante à comprendre, c'est que la division, c'est pas les salafis qui l'ont créée. Cette division-là, elle existe déjà dans la Ummah. Et donc, nous, la différence, quand on dit qu'on est salafi, c'est pour clarifier notre position vis-à-vis des innovations et des groupes de bid'ah. Pour qu'il y ait une distinction claire qui soit faite entre ceux qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih et qui suivent leur aqidah et qui suivent leur manhaj et la méthodologie des gens de bid'ah qui suivent des méthodologies qui sont apparues après les premiers siècles et qui contredisent dans leur manhaj la croyance des salaf salih, des sahaba et des tabi'in et des tabi'in tabi'in et qui contredisent également leur manhaj dans plusieurs points de l'islam. Donc
la division, elle était là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, il a décrit que cette umma allait se diviser en 73 sectes et qu'une seule allait être au paradis et que toutes les autres allaient être en enfer, les 72 autres allaient être en enfer, et que c'est le groupe qui a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc c'est pas une question de prétendre être sur la voie des sahaba, mais c'est une question de celui qui amène les références et les preuves de ce qu'il prétend, qui fait la distinction. Et comme j'ai dit, yani, le fait de nier, ou le fait d'essayer de montrer qu'on est unis entre nous les musulmans, c'est pas ça qui va régler le problème et c'est pas ça qui va arranger la situation. Au contraire même, ça risque de créer un plus grand danger, et c'est que justement la vérité et le faux soient confus et mélangés, et puis que les gens ne soient plus capables de distinguer entre ce qui est le vrai islam et ce qui est faux parmi les choses qu'est-ce que les gens ont ramené et innové et ajouté qui ne fait pas partie de l'islam. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait cette distinction-là. Et même si c'est le fait qu'on va parler aux kuffars, aux non-musulmans, il est important de leur clarifier qu'on est différent, qu'on est salafi. Et qu'il y a des différences entre les musulmans. Il y a les khawarij, il y a les shi'a rafida, il y a les mu'tazila, il y a les asha'ira, il y a les maturidiyya, il y a les murji'a, il y a les sufiyya, et toutes ces autres firaq. Et on dit, nous, on est des salafis pour se distinguer d'eux et pour que les kuffars, eux aussi, sachent qu'il y a des différences entre les musulmans et qu'il y a des gens qui s'accrochent à qu'est-ce qui a été ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au Coran et à la Sunna et aux Sahaba, et il y en a d'autres qui ont dévié de cette voie-là. Et la preuve de ça, c'est que je lisais il n'y a pas longtemps un article dans un site de l'Église catholique qui critiquait certains points de la religion musulmane. D'accord? Et dans l'analyse de la critique qu'ils ont fait, j'ai remarqué que qu'est-ce qu'ils attribuaient à l'islam dans leur critique, c'était pas une critique de la position de Ahlus Sunnah wal Jama'ah et de Salaf Salih, mais c'était en réalité une aqida parmi les aqida des Asha'ira et des Mu'tazila. Et ils critiquaient les musulmans en se basant sur la position des Asha'ira sur la question de Qadar, et ils prétendaient que c'était la position des musulmans. Alors, pour montrer qu'ils ont quelque chose et qu'ils sont capables de répondre aux musulmans, ils présentent la position des Asha'ira, qui est une des sectes de Bid'a parmi les sectes des musulmans, et ils présentent leur position à eux, et ils essaient de montrer que leur position à eux, elle est meilleure. Donc, c'est une injustice qu'ils font en même temps à l'islam. Du fait qu'ils prétendent réfuter les musulmans alors qu'ils réfutent une secte qui est apparue minimum 400 ans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant ça, on n'en a jamais entendu parler. Donc, c'est une injustice qu'ils font à l'islam et aux musulmans. Et ça, c'est juste un exemple. Hein? L'exemple aussi de ceux qui, par exemple, critiquent l'islam par rapport à qu'est-ce que font les khawarij aujourd'hui. Des attentats terroristes, des exécutions, et aussi, par exemple, des exécutions qu'ils font, par exemple, dans les pays musulmans actuellement. Ils attrapent quelqu'un qu'ils déclarent eux-mêmes comme étant un kafir, un murtad, un apostat, et ils le filment, et ils lui coupent la tête dans une vidéo, et ils mettent ça sur Internet, et après ils disent, voici le sort des apostats dans l'islam, et ça c'est l'application de la charia, et voici comment on applique le jugement d'Allah. Hein? Alors qu'ils n'ont aucune autorité. Ils sont pas les gens qui ont été mis en position, ils sont pas des dirigeants, ils sont pas des chefs d'État, ils sont pas des juges officiels dans le pays, ils n'ont aucune autorité quelconque, mais ils se sont déclarés eux-mêmes comme étant les responsables des musulmans, hein, ils se sont organisés en quelques petits groupes,
Et puis il se donne le droit d'appliquer les punitions et les peines et les règles de l'islam. Ça c'est la voie des Khawarij. Hein? Aussi qui font des attentats terroristes ou des attentats suicides. Hein? Toutes ces affaires-là, et après ils prétendent que ça c'est l'islam. Alors qu'est-ce qu'ils font ces koufars? Ils prennent ces positions-là et ils le montrent comme étant la position de l'islam. Et ils prennent les arguments que les Khawarij montrent comme étant des preuves de ce qu'ils pour avancer ou pour supporter ce qu'ils font dans le Coran et dans la Sunna, comme par exemple les versets qui parlent de djihad, et les versets qui parlent de tuer les murtadin, et les versets qui parlent de ci et ça, hein, et ils les présentent en disant, regardez, c'est ça l'islam, et c'est ça ce que les musulmans doivent faire, et c'est ça ce que ces gens-là font. Et ceux qui, parmi les groupes modernistes, disent, non, l'islam c'est pas ça, eh ben, ils les opposent en présentant les arguments des takfiriyins et des djihadiyins et des khawarij. On dit, regardez, ceux-là ils disent que c'est pas ça, alors que voici les preuves du Coran qui prouvent que ce qu'ils font c'est correct. Et les deux ont tort. Les modernistes ont tort et les khawarij ont tort. Mais c'est la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui est entre ces deux extrêmes-là qui amène la position correcte. C'est-à-dire, oui, il y a les versets qui parlent de punition pour les murtadin, il y a les ayats qui parlent du djihad, il y a les choses de ce genre, mais tout ça, c'est des règles et des lois qui sont uniquement appliquées par les chefs d'État officiels des pays musulmans. Ok? Et c'est eux qui décident, hein, si on fait le djihad ou non, et selon la capacité des musulmans de pouvoir le faire ou non. Et d'appliquer les peines, c'est le murtadin. C'est pas à n'importe qui dans la rue parmi les musulmans de se donner le droit. Quelqu'un ne peut pas marcher dans la rue, il voit une femme par exemple qui porte pas le hijab, et puis il s'en va, puis il la frappe, puis il dit, mets ton hijab. Un musulman n'a pas le droit de faire ça. Et de dire, par exemple, après il mentionne les ayats et les hadiths qui parlent de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, d'ordonner le bien et interdire le mal, et essayer de justifier ce qu'il fait en se basant sur ça. Parce que de changer le mal avec la main, ça c'est uniquement pour le dirigeant. La même chose pour celui qui voirait quelqu'un faire la fornication, l'adultère, et qui voudrait par lui-même appliquer les peines de l'islam sur lui. C'est-à-dire, je vais le fouetter un nombre de coups de fouet, ou bien je vais le lapider moi-même. Ça se fait pas comme ça. C'est comme si un Québécois, par exemple, ou un Canadien, ou un Américain, prenait le code pénal canadien, il s'en allait dans la rue, puis il attrapait les criminels, puis il voudrait appliquer lui-même les jugements et les verdicts de la loi canadienne sur les gens. Il voit un voleur, il dit, bon, à toi t'as volé, il le prend, il l'amène chez lui, il le met dans une pièce avec un cadenas, puis il l'enferme. On dit, la peine dans la loi canadienne, c'est que tu dois être enfermé tel nombre de jours et tel nombre de semaines, ou bien combien d'années. Ah, toi t'as fait un viol, ok, bon, moi je vais te punir. Il veut appliquer lui-même la loi sur les gens et l'exécuter. Donc il est juge et en même temps il est policier et en même temps il est citoyen, les trois en même temps. C'est lui qui exécute la loi, qui décide comment l'appliquer et qui il se donne lui-même l'autorité de le faire. Ça, il n'y a personne qui dit ça au Canada. Il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Donc la même chose dans l'islam. Les lois d'Allah et les jugements et les peines et les punitions, c'est pas aux musulmans et aux individus de les appliquer et de faire qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils pensent les appliquer, ou des groupes qui s'organisent dans un État et qui se déterminent un chef parmi eux pour essayer de les appliquer, mais ça c'est au chef de l'État de le faire. Et si le chef de l'État, il ne juge pas selon les règles de la charia dans ces questions-là, eh ben, c'est à lui par exemple de le faire avec le temps. Si par exemple il ne le fait pas, que Allah subhanahu wa ta'ala le guide pour qu'il arrive, inshallah, à l'appliquer. Hein? Et s'il n'applique pas la charia dans son pays, parce que souvent les pays musulmans, ils appliquent des lois qui viennent des Français, des Anglais, de l'Europe, qui ont été établies durant la colonisation. Et eux, quand ils sont au pouvoir, ils ont trouvé ces lois-là déjà là avant lui. Donc il ne fait que les suivre et les appliquer. Mais peut-être avec le temps, Inch'Allah, Allah va les guider, ces dirigeants-là, pour qu'ils comprennent et qu'ils soient capables de
respecter les règles de la charia, hein, et de les appliquer le mieux possible, selon leurs capacités. C'est ça l'important, et ça, ça vient avec le da'wah, et ça vient avec la patience, ça vient pas du jour au lendemain. Hein. Donc ça, c'est juste un exemple, et c'est pour ça l'importance de clarifier les positions de l'islam par rapport à l'islam, et non pas par rapport à qu'est-ce que les gens veulent ou qu'est-ce que les gens aiment. Hein. Si par exemple un musulman aujourd'hui, il va parler aux médias, il commence à dire des choses sur l'islam à la télé, et qu'il dit la vérité, mais il y en a des musulmans à qui ça ne va pas faire plaisir, même si c'est la vérité. Alors ils vont dire, ah lui, il ne nous représente pas. Pas parce que ce qu'il dit est contraire au Coran et la Sunna, mais parce que c'est contraire aux passions d'une grande majorité de musulmans. Donc aujourd'hui, quelqu'un va être critiqué parmi les koufars comme étant un mauvais exemple des musulmans pour des choses qui parfois sont vraies. Et certains parmi les musulmans vont le critiquer également pour qu'est-ce qu'il a dit. Alors qu'il y a des fois des choses que certains groupes musulmans disent au sujet de l'islam qui sont complètement fausses, mais parce que ça fait plaisir à certains musulmans, et parce que c'est en accord avec leurs passions, et parce que c'est en accord avec les passions des koufars aussi, eh bien ils applaudissent ces paroles-là et ils disent oui, lui, c'est, eux, ce sont des bons représentants de la communauté et des musulmans, alors que ce qu'ils disent, c'est complètement faux. Hein? Et donc, il faut retourner, c'est pour ça qu'il faut retourner toujours à juger les choses selon le Coran et la Sunna, et pas selon nos désirs et nos passions. D'accord? Donc, pour revenir au point, c'est que nous, on dit qu'on est salafi, et le fait que les koufars sachent qu'il y a des divisions entre les musulmans, premièrement, ça dérange pas parce que premièrement, eux-mêmes les koufars, ils le savent mieux que la plupart des musulmans qu'il y a des divisions entre les musulmans. Il y a parmi eux des spécialistes dans les questions de l'islam et les questions des groupes et des différentes sectes et différentes tendances. Hein. Et donc, pardon, mustashriqin, wa yani, des soi-disant islamologues, et des religiologues, ou je sais pas comment ils les appellent encore, qui étudient les différents groupes musulmans et les différentes sectes, et qui connaissent leur histoire, leur historique, le fondateur de chacune de ces sectes, dans quelle région on les retrouve, etc. Yani, ils étudient les pays musulmans, yani, d'une façon vraiment méticuleuse et précise. Donc, c'est pas un secret pour eux, et c'est pas en faisant semblant qu'on est ensemble unis qu'on va réussir à les tromper là-dessus. Au contraire même. C'est en apprenant comme il faut les fondements de notre aqida et d'apprendre les principes et les fondements de Ahl-Sunnah al-Jama'a et de la aqida des salafs. Et c'est la seule façon qu'on va arriver à réunir les musulmans sur quelque chose de solide et à travailler réellement sur quelque chose de sérieux. Hein? C'est pas en juste fermant les yeux sur nos erreurs puis en disant oui, travaillons nous tous ensemble pour s'unir, hein, et alors qu'on est tous, chacun tire de son côté la couverture de son côté pour essayer de dire c'est nous qui sommes sur l'al-haq et les autres sont sur l'al-batil. Mais ils ne le disent pas ouvertement, ils le disent entre eux, tandis que quand ils sont ensemble, ils font semblant qu'ils sont tous d'accord. Donc on va, Inch'Allah, continuer donc l'explication de notre livre aujourd'hui. Et le point c'est al-Aql al-Khamis. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans ce point-là, al-Aql al-Khamis, bayan Allah subhanahu wa ta'ala awliya illah wa tafriqihi baynahum wa bayna al-mutashabbihin bihim min a'da' Allah al-munafiqin wal-fujjar. Wa yakfi fi hadha آية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم
أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع وأن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. Donc ça c'est le cinquième fondement. Le chef il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans son livre qui sont ses alliés, qui sont les awliya, ok, qui sont ses alliés. Awliya c'est le pluriel du mot wali en arabe, et al-wali ça veut dire quelqu'un qui est rapproché, quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui est allié, hein, qui fait confiance, etc., des choses comme ça. Et donc, ça c'est le terme « wali » dans la langue arabe. Toutefois, quand il est traduit en français dans certains livres et dans certains écrits qui sont traduits en français sur l'islam, c'est traduit d'une façon fausse ou erronée par le terme « saint ». Et c'est une très grave erreur en réalité de traduire le terme wali par le mot saint ou par la sainteté comme al-walaya. La raison pourquoi c'est une fausse traduction, c'est parce que le terme saint ou la sainteté dans la religion catholique, c'est une chose tout à fait différente que cette notion de walaya ou de cette notion de wali dans l'islam. D'accord ? Dans la religion catholique, le saint, c'est quelqu'un qui a été canonisé par l'Église. C'est le pape qui décide qui devient un saint ou qui n'est pas un saint. Et une fois qu'il est canonisé et qu'il est accepté comme étant un saint, il devient ou il entre dans la liste de ceux pour qui chez eux il est permis de le prendre comme un intercesseur ou un intermédiaire entre les hommes et Dieu pour demander à Dieu de prier pour nous, ou des choses de ce genre. Donc, ça, c'est tout à fait différent que le sens du mot « wali » dans l'islam, d'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé à travers l'histoire? C'est qu'il y a eu des mélanges, il y a eu des amalgames qui ont été faits à travers le temps, et les termes islamiques de « walaya » ont été mélangés avec les concepts des autres religions, et ils ont été interprétés d'une façon incorrecte à cause de ça. Donc, dans les mouvements ou les groupes qu'on appelle Soufia ou bien Tasawuf, il y a eu cette amalgame-là justement, et c'est pour ça qu'on retrouve chez eux la notion de Wali qui est tout à fait contraire à la notion islamique de Al-Walaya, et qu'est-ce que ça signifie d'être un Wali, d'accord? Et on en a parlé de ça dans les dourous qu'on a fait au sujet de la réalité du soufisme. On a fait des dourous là-dessus. Haqiqat al-tasawuf. Et donc, celui qui veut avoir plus de détails là-dessus, s'il va dans notre site, il va trouver le dars ou les cours qu'on a fait sur ce sujet-là. Mais on va juste aujourd'hui donc expliquer ou faire un petit résumé de ça. Donc le cheikh il explique que Allah a clarifié dans le Coran qui sont les awliya, qui est le vrai wali. Et il a distingué entre eux, parce qu'il n'y a pas seulement une seule sorte de wali. Il y a les awliya, ou les alliés d'Allah, puis il y a les awliya du shaytan. D'accord? Et Allah, il les mentionne dans le Coran. Hein? الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Donc il y a les alliés d'Allah et il y a les alliés du shaytan. Et il y a beaucoup d'autres versets qui mentionnent ça aussi. Donc Allah a distingué entre les awliya et ceux qui essaient de ressembler aux awliya ou qui veulent se prétendre comme étant des awliya parmi les ennemis d'Allah et parmi les hypocrites et les pervers. Et c'est clair, pour clarifier la vraie signification dans l'islam des awliya,
on peut se référer à certains versets dans le Coran, comme par exemple, le Cheikh a mentionné le verset 31 dans Sourate Al-Imran, qui dit, « Dis aux messagers d'Allah, dis aux hommes, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, et Allah va vous aimer. » Donc ça c'est Ayatul Imtihan, le verset du test, pour savoir qui est vraiment un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui aime réellement Allah, parce que les soufis, ils prétendent tout le temps qu'ils sont ceux qui aiment Allah, d'accord, et ils parlent tout le temps de l'amour. Toutefois, il y a des conditions, il y a des règles pour montrer qu'on est vraiment parmi ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas suffisant juste de le prétendre avec la bouche comme les soufis, mais il faut que ce soit selon des règles et selon des conditions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il a mis la condition la plus importante pour montrer qu'on aime réellement Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la condition de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il mentionne une autre ayah dans Surat Al-Ma'idah, c'est le verset 54. Oh, vous qui avez cru, oh les croyants, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir un peuple qu'il aime et que Allah aime. C'est-à-dire qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah aime. Et par la suite, il le décrit. Donc, pour être parmi ceux que Allah aime, et pour être parmi ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir les caractéristiques qui sont mentionnées par la suite. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. C'est-à-dire ils sont humbles envers les croyants et fiers et puissants envers les mécréants, et ils combattent ou ils luttent. يجاهدون في سبيل الله, ils luttent dans le chemin d'Allah et ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Ça veut dire quand ils vont faire ça, quand ils vont suivre le chemin d'Allah, quand ils vont combattre ou lutter dans le chemin d'Allah, et quand ils vont être durs envers les non-croyants, et quand ils vont être humbles envers les croyants, ils vont se faire blâmer par les gens pour leur attitude et pour leur comportement, et on va les critiquer, on va les blâmer, mais eux, ils ne vont pas se sentir mal devant ses critiques ou devant ses blâmes, et ils ne vont pas craindre ou avoir peur de ces critiques-là, bien au contraire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a enseigné, il nous a dit de dire la vérité, même si elle est amère. « أن تقول الحق ولو كان مرًا » Et il a dit aussi de ne pas craindre le blâme de personne, quand c'est une question qui a rapport avec de suivre la vérité. D'accord? Donc, ça veut dire, dans ce verset-là, ça veut dire que même s'il y a des gens, par exemple, qui vont quitter l'islam, c'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'eux. Il va faire venir d'autres musulmans, d'autres personnes, qui eux n'ont pas peur, qui eux vont suivre la vérité, même si ça dérange les autres. Ils ne vont pas avoir peur des blâmes de personne, et ils vont lutter dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que ça veut dire, ce verset. Donc, ça c'est des exemples de ceux qui sont réellement les awliya d'Allah. T'as une question, Issa? 54, dans Al-Ma'idah. Ouais, dans le Al-Ma'idah. Oui, Hakum. Ensuite, il y a l'autre verset que le Cheikh a mentionné, qui est une définition des awliya et une description de qui ils sont aussi. C'est le verset 62 et 63 dans Surat Yunus. Ça dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ça veut dire, certes, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront eu aucune crainte et ils ne seront pas attristés non plus.
Et dans la suite, Allah les décrit en disant, ce sont ceux qui ont cru et qui ont eu at-taqwa. Kanu yattaqoun, c'est-à-dire ils avaient at-taqwa. C'est-à-dire, at-taqwa c'est quoi? C'est ils font ce que Allah leur ordonne de faire et ils s'éloignent de ce qu'Allah a interdit. Dans le but de se protéger du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ittiqa, c'est ça. At-taqwa min al-wiqaya. C'est se protéger. Donc, il cherche une protection contre Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'Allah aime et en s'éloignant de ce qu'Allah n'aime pas. Ça, c'est une définition des awliya. Et donc, d'après cette définition-là, toute personne qui est un bon musulman, un bon croyant, qui fait ce qu'Allah aime et qui s'éloigne de ce qu'Allah interdit, il est un wali. Même si, parfois, ça peut arriver de sa part qu'il va faire quelques péchés, mais il va se repentir à Allah et il va revenir au droit chemin. Celui-là, c'est un wali, même s'il a fait des erreurs, même s'il a fait des péchés. C'est pas une condition qu'il soit parfait. Parce que les awliya ou les wali chez les soufis, les saints chez les soufis, une des conditions pour qu'il soit un wali, selon eux, c'est qu'il soit parfait. C'est-à-dire qu'il ne fasse jamais de péché. Ça, c'est une de leurs conditions. Et la même chose pour les chiites, d'accord? Donc ça, c'est un exemple. Chez les imams, chez les chiites, c'est comme ça. Et chez les soufis, c'est la même chose. Et ça, bien entendu, c'est contraire au principe de l'islam, de Ahl Sunnah al-Jama'ah. Et ils ont aussi comme condition qu'il faut qu'ils fassent des miracles. Il faut qu'ils fassent des miracles, des choses karamat, comme ils appellent, des choses hors de l'ordinaire. Et parmi les miracles qu'ils font, des fois, c'est de la sorcellerie et d'essayer de prétendre de connaître l'avenir et des choses de ce genre. Et ce qui n'a aucun rapport avec les miracles, en réalité, mais c'est plutôt les shayatins qui les aident à faire ces choses-là. Et... Non. C'est ça. C'est ça. Donc, ils croient que, par exemple, il y en a qui vont juste même des fois faire des tours. Ils jouent des tours aux gens. Ils font des trucages, des trucs de ce genre pour leur faire croire qu'ils font des choses qui sont miraculeuses alors qu'en réalité, c'est des mensonges. Aussi, des fois, les gens, comme ils voient quelqu'un qui fait le ruqya et ils pensent que c'est un wali, ou qui fait des guérisons, des trucs de ce genre, ils pensent que c'est un wali. Alors que des fois, c'est des saharas, c'est des magiciens, c'est des sorciers, des gens qui font toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam, ils contactent les djinns, les shayatins, et en réalité, ils n'ont rien à voir avec des walis ou des awliya. C'est comme par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, ils appellent parfois les marabouts. Et les gens vont chez eux pour avoir des gris-gris ou des trucs de ce genre. Et ils pensent que ça, c'est des awliya. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est des karamates. Donc ça, c'est des exemples. Après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, « ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل. Une autre chose aussi parmi les caractéristiques des soufis, le wali chez les soufis, c'est qu'il ne peut pas être un wali tant qu'il n'a pas commencé à contredire la charia et abandonner l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis. Jazakallahu khairan. Donc, tu vois que parmi eux, par exemple, il y en a qui ont abandonné la salat, il y en a qui ont abandonné le wudu, il y en a qui ont abandonné le saum, il y en a qui vont habiter même dans les déchets, dans les dépotoirs, dans les poubelles, ils vont vivre avec les chiens, et ils pensent que de faire ça, c'est une sorte de façon pour se briser notre nafs, pour soi-disant arriver à yani, pour s'élever au niveau des gens. Exactement. C'est ça. Le zuhd au début de l'islam, ça avait toute une autre signification que qu'est-ce que c'est devenu par la suite chez les soufis. Ils ont ramené une autre définition du zuhd qui n'a rien à voir avec l'islam. Et ils prétendent que c'est ça le tasawwuf. Ou bien ils disent que le zuhd
c'est at-tasawwuf, c'est de se purifier notre âme. Sauf que les moyens qu'ils utilisent soi-disant pour se purifier leur âme, c'est des moyens hein, qui sont en dehors de la charia. Bon, selon eux, ce n'est pas dans le Coran et dans la Sunna, c'est des moyens qui ont été révélés soi-disant à leur chouyour, et donc ils suivent ces moyens-là qui n'ont aucune référence ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est ça. Le zuhud, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'argent, ou par exemple le fait d'être pauvre, de mettre des vieux vêtements déchirés et de se détacher du monde et d'aller vivre dans une montagne. Le zuhud, c'est au contraire que tu possèdes les richesses et la belle vie et tout ce qu'il y a dans cette dunya, sauf que tu la laisses pas entrer dans ton cœur et que tu t'attaches pas à cette dunya. Tu te dis en toi-même, même si tu le possèdes, tu te dis ça appartient à Allah, il me l'a donné, et quand il décide, il va la reprendre, et s'il la reprend, ça va pas enlever rien dans mon cœur, dans le sens que je ne veux pas être malheureux si je le perds, et le fait de l'avoir non plus, je ne suis pas plus heureux que si je ne l'avais pas. Ça m'est égal en fait, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, ça vient d'Allah et je suis reconnaissant et je remercie Allah. Parce qu'il y a parmi les prophètes et les messagers d'Allah, certains qui ont eu tout ce que quelqu'un peut désirer dans la dunya. Comme Sulayman, alayhi salam. Allah lui a tout donné. Le pouvoir sur toutes les choses dans la création, les djinns et les hommes. Et il avait l'argent et le pouvoir, il était un roi. En même temps, il avait les femmes et tout ce que quelqu'un peut désirer dans ce monde. Et pourtant, il était zahid. Hein, et il aimait Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parmi les awliya. Il est parmi les messagers d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut juste comprendre ce point-là, c'est important. Mais eux, les soufis, ils ont imaginé autre chose, ils ont inventé d'autres choses. Ils ont imaginé des gens qui ont abandonné le ilm, abandonné le djihad, hein, et ils ont cru que celui qui abandonne pas la foi, et abandonne pas les principes de la taqwa, eh bien pour eux ce sont pas des awliya. Non, c'est ça. Bon, comme le père dit à propos de Badawi, parce que souvent, comme on dit des fois, ces gens-là, ils ont établi des gens comme étant des awliya, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les awliya d'Allah. Ils n'ont pas suivi l'exemple des messagers. Et comme le père dit à propos d'Al-Badawi, Al-Badawi, c'est ce que les gens vont faire le Hajj à sa tombe en Égypte, hein, et ben, ils le considèrent comme étant un saint, alors qu'il n'a rien fait de bon dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, comme le père dit, il a uriné dans la mosquée, et à cause de ça, ils ont dit que c'était un wali. Hein? Oui, uriné dans la mosquée. Et il y a des gens comme ça, il y en a un, il y a un frère qui me racontait l'histoire, une fois il y en a un parmi les, soi-disant les awliya, ils l'ont appelé Ibrahim al-Uryan. Pourquoi ils l'ont appelé Ibrahim al-Uryan? Et parce que, en pleine khutbah, il a enlevé ses vêtements devant tout le monde. Et il a fait la khutbah tout nu. Hein? Complètement nu. Non, et là ils ont dit ça c'est un wali. Hein? C'est comme ça. Ça c'est les exemples des awliya chez les soufis. Et quand vous regardez dans le livre des soufis, quand ils parlent de leurs awliya, vous voyez les descriptions qu'ils donnent d'eux. C'est des gens qui ont ces genres de descriptions là. Et c'est des choses étranges et bizarres. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Cheikh Ahmed al-Najmi au sujet de ce principe-là. Il dit, هذا الأصل ركز فيه الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء من الذين يظهرون بالأحوال والكرامات وتبدو منهم الشطحات فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا وإذا زنى بامرأة قالوا إنما أفاض عليها من نوره ومن أراد أن يعرف ما عليه الصوفية من الشطح والكفر والادعاءات العريضة لحقوق الله عز وجل غير مبالين ولا مكثرين فليرجع إلى كتاب الكشف عن الصوفية لأول مرة وكتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل بل إنهم يجعلون ذلك فخرا لهم
وإنهم قد بلغوا إلى مرتبة لم يبلغها غيرهم. وإن الشيخ هو الذي يرى الله عيانا ويتحدث معه ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك من الادعاءات التي لعب بهم الشيطان فيها فأولهم عن الطريق المستقيم وأخرجهم إلى طريق أصحاب الجحيم، فهم يزعمون أن هؤلاء هم أولياء الله ليس غيرهم. أما من اتبع الكتاب والسنة وعني بالحديث والآثار وتكلم في الفقه وأمر بالاستقامة على شرع الله، فهؤلاء يسمون أهل الظاهر، وشيوخ الصوفية عندهم أهل الباطل، بل إنهم حقيقة هم أهل الباطل بدل النون لام. فالشيخ شيخ الإسلام رحمه الله يشكو من أهل زمانه لأنهم يجعلون أولياء الله من هم أعداء لله وحاربوه أشد المحاربة، ولكن هل القول قولهم والاعتقاد اعتقادهم؟ لا، ولكن حقيقة الولي هو من يعظم كتاب الله ويعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وفي كل أمر واعتقاد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc le Cheikh Ahmed al-Najmi il dit ici que le Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, dans ce fondement-là et dans ce principe-là ici, il s'est concentré sur les soufis. Et as-soufis, on a expliqué déjà que ça vient de l'origine de la laine, as-souf, okay, parce que les premiers d'entre eux, soi-disant, ils voulaient imiter les moines chrétiens qui portaient des vêtements de laine, et ils préféraient soi-disant les vêtements de laine parce que ça montrait un certain détachement de la dunya, et donc ils ont été appelés soufis à cause de ça. Pourtant, parmi les soufis, il y en a qui prétendent que la soufia ça vient de safa, c'est-à-dire la pureté, alors qu'en réalité si c'était des safa, on disait safa'i et non pas soufi. Et il y en a d'autres qui disent que ça vient de, par exemple, à safwa, pour dire le meilleur, hein, la crème de la crème parmi quelque chose, quand on dit le meilleur d'entre quelque chose. Et si c'était ça, on ne dirait pas soufi, on dirait safawi. Hein. Et il y en a d'autres qui disent aussi que ça vient de Ahl Soufa, les gens de Soufa, qui étaient al-Madin al-Munawwara, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est des gens qui venaient, qui arrivaient à Médine pour faire le hijra, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'endroit pour habiter, alors ils habitaient dans un coin de la mosquée, et on les appelait Ahl Soufa. Toutefois, Ahl Soufa, ce n'étaient pas des gens qui avaient choisi d'être pauvres, ou qui avaient choisi de rester à cet endroit-là, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ce n'était pas un groupe de personnes particuliers, c'était des gens qui arrivaient, et il y en a d'autres qui arrivaient, d'autres qui s'en allaient, c'est-à-dire ils ne restaient pas définitivement à le Soufa, tous là dans ce coin-là, dans la mosquée. Ils restaient là jusqu'à temps qu'ils soient capables de s'organiser pour faire du commerce ou quelque chose. Quand ils avaient assez d'argent, qu'ils étaient prêts, ils sortaient, ils ne restaient pas toujours à cet endroit-là. Et il y a eu parmi des sahaba qui étaient là, puis après un certain temps, ils ont pris un endroit pour vivre en dehors de la mosquée, puis, hein, c'est ça, comme Abu Huraira et d'autres, ils ne sont pas restés indéfiniment parmi ces gens-là. Donc, ce n'est pas un groupe distinct, qui s'est distingué du reste des sahaba, etc., etc., et qui ont choisi la pauvreté et le retrait, etc. Donc, cette analogie-là, elle est fausse. Et si c'était le mot soufi qui venait de cette origine d'Ahl Soufa, on ne dirait pas soufi, on dirait soufi, hein, pour Ahl Soufa. Donc, il y a beaucoup d'analogies ou d'exemples sur l'origine étymologique du mot soufi qu'ils ont essayé de tirer certains exemples pour montrer qu'ils ont une source ou une origine avec l'islam,
alors qu'il n'y a aucune référence, aucun exemple qui revient jusqu'à les textes du Coran et de la Sunna pour prouver que ça a un lien avec le Coran et la Sunna, d'accord? Donc c'est quelque chose qui a été innové, qui est venu bien longtemps après. Ensuite, bien entendu, il y en a qui, comme les ulama ont expliqué là, mais chahata fil istilah. Si c'était une question de istilah, que des gens se sont donné ce mustalah pour se décrire, par exemple pour dire, nous on se décrit par ce terme-là, pour dire qu'on suit quelque chose, comme par exemple on dit au sujet du fiqh, ou au sujet de usul al-fiqh, ou mustalah al-hadith, ou al-lugha al-nahu, que ça c'est des termes qu'on a utilisés pour décrire certaines sciences, et donc le soufisme ça fait partie de ça, c'est une science qui explique comment purifier l'âme, etc., etc. Donc si c'était le cas, ok, et bien dans ce cas-là on pourrait dire oui, c'est vrai, toutefois on voit que dans les principes de At-Tasawwuf, il y a des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et donc, étant donné que c'est le cas, qu'il y a des contradictions avec le Coran et la Sunna, et que plusieurs ulama ont écrit des livres de réfutation des soufis, des soufis, comme par exemple l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, et beaucoup d'autres parmi les ulama aussi qui ont critiqué les soufis. Donc étant donné qu'on voit qu'il y a eu cette critique là, eh ben on peut dire que yani c'est pas quelque chose qui est juste une question de stilah, mais il y a aussi une question aussi de déviation à ce sujet là. Donc le chef dit que ça ici le but c'est de critiquer les soufis, ceux qui croient que les awliya sont ceux qui montrent qu'ils ont atteint certains statuts, stade ou état ou niveau dans la religion en faisant certains miracles ou karamat comme ils appellent, et qui montrent certaines choses qu'ils font qui sont très graves en fait, qui sont contraires à la pratique et à la croyance de l'islam, et il croit que ce cheikh là, une fois qu'il s'est rapproché à Allah et qu'il a fait beaucoup d'adoration, il est arrivé à un certain degré que toutes les obligations et les interdictions sont tombées pour lui. C'est-à-dire, il n'est plus obligé, après avoir atteint ce degré de foi, il n'est plus obligé de faire les prières, de faire le jeûne, de faire les choses obligatoires, et il n'est plus obligé de s'abstenir de ce qui est haram et de s'éloigner de ce qui est haram. Comme le cheikh il dit que certains d'entre eux, parfois tu les vois, ils vont boire de l'alcool, et cet alcool-là, elle va se transformer dans leur bouche, comme elle va devenir du lait. Donc, il dit, si tu vois le cheikh qui boit du vin ou de l'alcool, dis pas qu'il boit de l'alcool, parce que ce vin-là, dans sa bouche, il se transforme en lait. Non. Donc, en fait, chez les soufis, al-walaya, la sainteté ou la notion de sainteté chez eux, c'est quelque chose d'héréditaire. C'est-à-dire que si ton père est un wali, alors ça se transmet de père en fils. Donc, des fois, par exemple, chez certains soufis, quand leur cheikh était un homme qui, par exemple, avait une apparence ou une certaine apparence de piété, etc., qui portait une barbe, des choses de ce genre, s'il a eu des enfants, eh ben, ces enfants, ils ont hérité automatiquement de la walaya. Et donc, même s'ils ne sont pas pratiquants, même s'ils ne font pas la prière ou autre chose, ils sont considérés comme étant des awliya juste par le fait qu'ils sont des descendants de ce cheikh. Exactement. Donc, comme tu dis, comme s'ils disent qu'ils sont les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se considèrent encore plus privilégiés, et même tu les vois, ils font rien de qu'est-ce qui est obligatoire dans l'islam, et ils font tous les péchés, et ils disent, ça y est, nous on est des awliya, on est des ashraf et des choses de ce genre. Allah musta'an. Oui, c'est ça. Ouais. Là, des fois, ils ont des cartes, c'est écrit dessus que, soi-disant, ils sont des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme au Maroc. Subhanallah. C'est grave. Donc, le cheikh, il dit, des fois, tu le vois aussi, le cheikh qui va faire une zina avec une femme. Il dit, si tu vois le cheikh faire une zina, dis pas qu'il a fait la fornication, l'adultère. Tu dis que, c'est comme s'il a fait entrer en elle un peu de sa lumière, d'accord?
Donc ça c'est un exemple comment ils essaient de toujours d'interpréter les péchés de leurs chouyours. Le cheikh dit, et ceux qui veulent savoir plus sur les graves déviations des soufis et de leurs actes de mécréance ou des croyances qu'ils ont qui sont kufr et de leurs prétentions qu'ils ont, il peut retourner au livre comme le livre qui s'appelle Al-Kashf an al-Soufiya li awwal marra, le dévoilement du soufisme pour la première fois. Ça c'est un bon livre aussi, c'est une grosse brique hein, qui parle en détail des déviations du soufisme et de ses origines. Et il y a un autre livre qui est plus petit qui s'appelle Hadihi al-Soufiya, voici ce qu'est le soufisme. C'est écrit par un des ulama qui s'appelle Abdurrahman al-Wakil, qui est un Égyptien, qui lui-même était un soufi et qui lui-même était justement avec les Asha'ira et qui a fait Tawba et qui est devenu parmi les grands ulama par la suite. Abdurrahman al-Wakil, il faisait partie des Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya en Égypte et puis par la suite il a écrit plusieurs livres pour réfuter les gens de Bid'a. Et il était fort dans ses réfutations, et en particulier dans ce livre-là. Le cheikh il dit que les soufis, dans leur livre, quand ils parlent de ces erreurs-là, ils en parlent avec fierté. C'est des choses pour lesquelles, au sujet desquelles ils sont fiers. C'est pas des choses qu'ils n'ont pas honte de ces choses-là. Au contraire, même, ils s'en vantent. Et ils arrivent même au point de dire que leur cheikh, il voit Allah avec ses yeux, et qu'il lui parle, et que Allah parle avec lui, et qu'il rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parle. Donc ça c'est des prétentions qu'ils font, et le shaitan a joué avec eux à ce sujet-là, et donc il les a déviés du droit chemin, et il les a fait sortir du droit chemin, et il les a fait aller vers le chemin qui mène à l'enfer. Alors que eux, ils croient et ils prétendent être parmi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nul autre qu'eux sont des awliya. C'est-à-dire, c'est seulement eux les awliya. Mais pour eux, celui qui suit le Coran et la Sunna, et qui se limite au Coran et la Sunna, et qui s'occupe d'étudier le Coran et la Sunna et les hadiths et les athars, et qui explique les règles de fiqh, hein, et qui ordonne aux gens de rester droit sur la charia d'Allah, eux ils considèrent que ceux-là sont les gens de al-zahir, al-zahir ils les appellent, c'est-à-dire les gens qui prennent qu'est-ce qui est apparent, tandis que eux ils disent nous on est les gens de al-batin, les gens de l'intérieur, vous êtes les gens de l'apparence de l'extérieur, nous on est les gens du cœur, de l'intérieur, de ce qui est à l'intérieur, al-batin. Et en réalité, le cheikh dit, et en réalité, ce sont les gens du ba'atil. En réalité, ce sont les gens du ba'atil. On remplace le noun par un lam pour dire que c'est les gens du mensonge et de la fausseté. D'accord? Parce que cette division-là entre al-ba'atil et al-zahir, ça c'est inventé par les gens de dalal pour essayer de diviser la charia. Pour dire que ceux qui suivent la charia sont des gens ordinaires, simples, qui comprennent pas. Tandis que les gens du Ba'atin sont des gens qui ont atteint d'autres niveaux plus élevés dans la foi, dans la compréhension de l'islam, et qui n'ont plus besoin de s'attarder aux affaires extérieures et apparentes. Hein, donc ils travaillent juste sur le cœur et l'intérieur. D'accord? Et bien entendu, ça c'est une forme d'égarement. Parce que l'islam, la charia, elle n'est pas pour les gens seulement du Zahir. Et la charia ne s'occupe pas uniquement du zahir, mais elle s'occupe aussi du batin et du zahir, les deux ensemble. Et tout ce qui est en dehors de la charia, c'est batin. C'est ça la réalité. Tout ce qui est en dehors de la charia, c'est batin. C'est la même chose pour ceux qui ont divisé l'islam en tariqa et hatiqa. Hein, en charia, ou bien ils disent, nous on suit al-hatiqa et vous suivez l'islam ou la charia, nous on suit al-haqiqa ou al-tariqa. Donc, exact. Comme le frère il dit,
ils disent que des fois les élèves, le chef, il leur prescrivent à leurs initiés un certain nombre de azkar ou de dhikr que le chef a prescrit pour ses initiés, pour ses fidèles qu'on appelle les mourides, qui suivent leur chef. Et une fois qu'il les récite régulièrement comme un devoir personnel qu'il est obligatoire de respecter, de réciter ces dhikrs-là à certains moments de la journée, un certain nombre de fois que le cheikh a prescrit, et bien là, à un certain moment donné, soi-disant, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve. Et le frère, il dit que le cheikh, lui, il va dire par la suite, moi je le vois tout le temps même en état d'éveil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réalité à ce sujet-là, c'est comme ça, c'est que le cheikh ne peut pas admettre que son élève devienne plus que lui, ou voit plus que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si l'élève dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, alors il devient égal avec le cheikh. Donc, il faut que le cheikh invente un autre mensonge maintenant pour essayer de monter plus haut. Alors, il va dire, moi je ne le vois pas seulement en état de sommeil, mais même en éveil, je le vois. Et c'est l'exemple d'Ahmed Tijan qui prétendait qu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein éveil et qu'il venait lui parler, qu'il le voyait comme ça, en plein jour. Donc il coupe les mots et il interprète, il fait d'autres mots avec les mots dans le Coran. Subhanallah. Donc comme le frère il dit, exemple que les soufis par exemple, des fois en ce qui concerne le zahir et le batin, ils font un peu comme les sectes ésotériques qui interprètent le Coran d'une autre façon, qui ont une connaissance soi-disant secrète de la signification des versets du Coran et que personne ne peut la comprendre excepté eux. Donc ils prennent un verset, ils vont dire par exemple ce verset-là, par exemple, comme Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, qui peut intercéder auprès de lui excepté sans sa permission. Ils disent par exemple, ah ça c'est un verset qui a, c'est pas, c'est, il faut pas le prendre dans son sens apparent comme les gens ordinaires le comprennent. Ils disent, moi je connais sa signification secrète qui est cachée. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'interpréter en réalité? C'est que il coupe les mots dans le verset. Non seulement il prend pas les mots qui sont tels qu'ils sont écrits, mais il les coupe. Ils vont couper un mot comme man dalla ou dalla zi. Donc il coupe les mots comme ça, yashfa i. Donc pour essayer de couper les mots pour former d'autres mots et leur donner une nouvelle signification par la suite. Donc ça c'est un exemple comment il joue avec ça dépend. Il y en a parmi eux qui leur parole arrive à des niveaux de kufr, mais il y en a d'autres, c'est juste balal, c'est juste des égarés. Ils ont dit que bon, eux, c'est des gens de bid'a, des gens de balal, ne sont pas en dehors de l'islam, mais il y en a d'autres qui sont en dehors de l'islam, tu vois, parmi eux. Naam. C'est ça. Attends. Il y a un point aussi à propos de cet exemple-là, il y a les Qadianiyah qui disaient, l'exemple des Qadianiyah, ou non pas des Qadianiyah, des Soufis aussi, au Pakistan, il y a un frère qui m'a raconté cette histoire-là. Ils prennent le verset par exemple qui dit « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » Ils prennent le verset « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » Ça dit « Je ne suis qu'un homme, un être humain comme vous. » Hein, le verset dit ça pour réfuter ceux qui essaient d'élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un niveau plus haut que l'humanité. Eux, ils prennent le verset et disent « قُلْ إِنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » C'est-à-dire, je ne suis pas, ils essaient de couper le verset pour essayer de dire « Non, je ne suis pas un être humain comme vous. » Donc c'est comme ça qu'ils jouent avec les mots pour les couper, pour les déformer et pour après ça les interpréter à leur façon. Madame ? Ah oui, c'est ça. Donc, une autre choubha qu'ils utilisent aussi souvent, comme le père dit, c'est qu'à chaque fois,
quand tu leur dis un hadith, par exemple, que le prophète صلى الله عليه وسلم dit « La tatruni kama atrat al-Nasara bi'Isa ibn Maryam, innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluh » N'exagérez pas la magnification comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur, alors vous êtes un serviteur d'Allah et un messager. Ou bien, quand Allah il dit dans le Coran, qu'il dit, je ne suis qu'un homme comme vous, hein, qu'un être humain comme vous, eux, ils disent, pour répondre à ces preuves-là, ils disent, ah, mais ça, c'est la modestie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas se vanter, etc. Alors que ça, c'est faux. Yani, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait à dire quelque chose, il le disait, ce n'était pas par crainte de fierté ou de modestie. La preuve, il dit, « Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr » et je suis le chef ou bien le sayyid, le maître des fils d'Adam, et il n'y a pas de fierté là-dedans. Je ne dis pas ça pour me vanter. Hein. Et dans d'autres hadiths, il dit des choses comme ça, « Ana atqakum lillah wa nakhshakum lillah » etc. Il dit ça des fois. Ce n'est pas pour se vanter, sauf qu'il ne faut pas exagérer à ce sujet, puis l'élever à des niveaux, eux ils prennent, ils se font de dire, ah, ça c'est des preuves pour dire qu'il est modeste, et non pas des preuves pour dire qu'il est, qu'on n'a pas le droit d'exagérer dans sa glorification, ou des choses comme ça. Donc ça c'est des exemples de choubouhad qui sont donnés par ces gens-là. Donc ce sont des gens du Ba'atin, et non pas des gens du Ba'atin. Et le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il se plaignait des gens de son époque qui ont pris des gens de cette catégorie-là qui sont des ennemis d'Allah comme étant des alliés, comme étant des awliya, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les awliya. Et il les a combattus d'une guerre, il y en a féroce, et il les a combattus par la parole, et il a combattu aussi par sa plume. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dans son Majmu' Fatawa, il y a deux volumes qui parlent des soufis, et même dans les autres volumes aussi, il y en a d'autres réfutations des soufis, comme le volume qui parle de Tasawwuf, je pense que c'est le volume 10 et le volume 11, il y en a un qui parle de Tasawwuf et l'autre qui parle de Ilm al-Suluk. Et il parle de beaucoup de soufis à là-dedans. Puis il y a d'autres rasa'il dans les autres livres où il critique aussi les soufis. Donc, alhamdoulilah, il y en a parmi les soufis aujourd'hui, alhamdoulilah, qui essaient de se référer à Ibn Taymiyyah et qui prétendent qu'il était lui-même un soufi et qu'il était de la tariqa al-fadiriyya et des choses de ce genre. Et ça, bien entendu, c'est des mensonges au sujet d'Ibn Taymiyyah, et c'est des fausses interprétations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une citation de deux ou trois lignes dans un livre d'Ibn Taymiyyah où il mentionne du bien à propos de certains parmi les premiers soufis, parmi les salafs, qui étaient dans la définition du zuhud, telle qu'elle était connue à l'origine de l'islam par les salafs. Donc c'est ça, ça n'a rien à voir avec le soufi qui est apparu par la suite. Hein, et donc ils essaient d'utiliser ces paroles-là pour ces soufis comme étant une référence pour dire que Ibn Taymiyyah était d'accord avec le soufisme et qu'il était un soufi lui-même, alors que c'est faux. Et s'ils prenaient le reste des paroles d'Ibn Taymiyyah dans un volume de 700 pages, hein, tu vas citer 4 ou 5 lignes pour essayer de prouver qu'Ibn Taymiyyah était un soufi, pourquoi tu ne mentionnes pas les 700 restes, les 700 autres pages où il massacre et détruit les fondements des égarements des soufis dans ce livre-là. Donc c'est des exemples de malhonnêteté de la part des soufis quand ils agissent de cette façon. Et il y en a un, une fois, qu'est-ce qu'ils faisaient, Allah Musta'an, pour vous montrer comment, à quel point ils sont malhonnêtes, j'ai vu qu'il y en a un qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre sur Ibn al-Qayyim et sa position par rapport à la musique. Je pense que vous l'avez peut-être déjà mentionné, non? Ben, ok. Ibn Qayyim, dans son livre, par exemple, Irasatul Lahfan, il réfute les gens qui essaient de permettre la musique au nom, ou faire de la musique religieuse, des musiques au nom de l'islam ou pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala parmi les soufis. Il les réfute. Alors, ils mentionnent leurs arguments et puis ils les réfutent. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont pris seulement les arguments des soufis, puis ils ont coupé les réfutations d'Ibn Qayyim, où ils mentionnent leur fausseté et leur mensonge, et qui montrent qu'ils sont en contradiction avec l'islam. Donc, et après ils ont marqué, regardez, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il est d'accord avec la musique. Alors moi j'étais étonné, et puis tout de suite j'avais pas cru, hein, quand j'ai lu ça. Je suis retourné au livre, et j'ai trouvé le contraire de ce qu'il dit, et qu'ils ont coupé. En réalité, ils montrent les ah, au bout de là. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, vraiment, on peut pas faire confiance à qu'est-ce que tu trouves dans ces livres-là, parce que c'est des menteurs, ces gens-là. Non. Non, avec Ibn Taymiyyah aussi. Non, c'est pas ça. Il y a même plein, les Ahbash, ils ont écrit dans leur livre que Ibn Taymiyyah a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assoit sous le trône avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et quand tu retournes à la page et au volume où ils disent qu'Ibn Taymiyyah a dit ça, tu vois que c'est une citation qui est attribuée à Ibn Jarir al-Tabari. C'est une narration qu'il mentionne. Et c'est pas de ses paroles à lui, c'est des paroles qui ont été attribuées à Ibn Jarir al-Tabari, que certains savants auraient dit ça. Et il ne dit pas du tout qu'il est d'accord avec cette citation-là. Maintenant, si tu retournes à la référence de Ibn Jarir al-Tabari, et pour vérifier est-ce que c'est authentique ou non, parce que nous, pour nous, c'est une question d'authenticité. Si c'est authentique, et si c'est vrai, on l'accepte. Et on l'accepte tel que les salafs l'ont accepté, dans le sens qu'on va dire, hein, « Min ghayri takyifin wa la tashbihin wa la ta'tilin wa la tamthil » Hein, voilà, il y en a une comme les salafs ont dit. C'est vrai. Souvent, donc c'est des gens, les gens de Bid'a, ils sont malhonnêtes et injustes dans leur façon d'attaquer, de critiquer les ulama. Ils n'ont pas aucune crédibilité et aucune, ils n'ont pas aucune honnêteté dans le scientifique, amana ilmiya, comme on dit. Ils n'ont pas aucune fiabilité et honnêteté scientifique lorsqu'ils critiquent un opposant. Contrairement aux ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, quand ils critiquent les opposants, ils mentionnent leurs paroles telles quelles. Et ils les critiquent telles quelles. Et parfois même, ce que j'ai remarqué même dans les écrits des ulama, non seulement ils les critiquent telles quelles, des fois ils rajoutent des arguments à leurs arguments pour dire peut-être qu'il a oublié des arguments par lesquels il pourrait nous attaquer ou nous critiquer, donc il en rajoute pour lui, pour renforcer encore plus soi-disant son idée, puis après il la réfute et il l'écrase au complet. Hein? Donc c'est pour te dire, c'est pas comme les philosophes quand ils parlent des sophistes, ils disent le bonhomme de paille, hein? L'homme de paille, c'est-à-dire quand tu veux détruire ton ennemi, tu présentes son opinion d'une façon ridicule et fausse pour la réfuter plus facilement, pour montrer aux gens que tu veux convaincre que tu es en train de l'écraser et de le détruire, ses arguments. Hein? Mais quand tu as le chap, tu n'as pas besoin de faire ça. Exactement, voici, oui. Exactement, parce qu'on n'a pas besoin de mentir quand la vérité est claire, elle est claire. Donc, c'est pour cette raison-là. Et donc, alhamdoulilah. Et comme le chef il dit, Ibn Taymiyyah, il les a combattus, et il dit, la réalité du wali, c'est quoi? C'est celui qui a un respect et qui honore le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui honore et qui respecte la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses paroles, et dans toutes ses actions, et dans toutes les questions, et dans la croyance. Comme Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si dit au messager d'Allah, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera, et il vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et il dit aussi, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. C'est-à-dire, certes,
les alliés d'Allah, les awliyas d'Allah sont ceux qui n'ont aucune crainte, n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés, ce sont ceux qui ont cru et qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh dit, ay, alladhina amanu billah wa kanu yattaqun Allah wa yaf'aluna awamirahu wa yajtanibuna nawahihi wa yu'minuna billah wa yu'minuna biwa'dihi wa wa'idihi wa ba'thihi ولقائه وجنته وناره ويجاهدون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله ذلك بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم هؤلاء هم الأولياء ولقد أوضح الفروق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسمى بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ألا إن أولياء الله هم أهل الحديث ومتبع الآثار والمدونون لها والعاكفون على حفظها وتدوينها والعمل بها والدعوة إليها وهؤلاء هم أولياء الله فإياك أن تخدع وأن يجتاحك الكذابون أصحاب الادعاءات الكاذبة وبالله التوفيق. Donc le cheikh il termine ce cinquième point ou ce cinquième principe en disant que les awliya d'Allah ce sont ceux qui ont cru en Allah et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont attaqwa et qui appliquent les commandements d'Allah et qui s'éloignent ou s'écartent des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils croient en Allah et ils croient en sa promesse et en sa menace et ils croient en la résurrection et en sa rencontre, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils croient en son paradis et en son enfer, et ils luttent dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur langue, par leur plume et par leur épée. Et ceux-là sont les awliya d'Allah, sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a expliqué et clarifié les distinctions qui existent entre les awliya d'Ar-Rahman et les awliya du Shaytan rahimahumullah dans son livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman, la distinction entre les alliés de Allah et les alliés du Shaytan. Et il a expliqué que les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont Ahlul Hadith, les gens qui suivent le Hadith et qui suivent Al-Athar, et qui l'ont gardé, qui les ont réunis dans des recueils et dans des livres, et qui se sont forcés, qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont travaillé pour la mémoriser et la mettre par écrit et de l'appliquer et d'appeler à cette sunna et au hadith, etc. Donc c'est eux qui sont les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors prenez garde de vous faire tromper, hein, et prenez garde que les menteurs et les gens qui font des fausses prétentions vous écartent du droit chemin et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour clarifier ce cinquième point parmi les points qui ont rapport avec les six principes ou les six usul que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a voulu clarifier dans cette petite risala. Et il reste inshallah le sixième point qu'on va inshallah clarifier inshallah la semaine prochaine, mercredi prochain, et probablement que ce sera le dernier cours, inshallah, la semaine prochaine. Et le sixième point, on va détailler qu'est-ce que c'est. C'est un point très important, et surtout dans l'époque actuelle où on vit, c'est une shubha qui est très présente actuellement. S'il y a d'autres choses qui doivent être dites, c'est aussi que les soufis, par exemple, parfois ils essaient de dire que ceux qui sont montrés comme étant des soufis qui ont dévié, qui ont certaines pratiques qui sont soi-disant extrémistes parmi eux, ils essaient toujours de dire par exemple non, le soufisme c'est pas ça, le vrai soufisme c'est ça,
où le vrai soufisme c'est nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qu'on pratique nous, et les autres sont pas des vrais soufis, d'accord? Et ça en réalité c'est juste une prétention qu'ils font, parce que le problème justement avec la réalité du soufisme, c'est que le soufisme, eh ben il a mille visages, et il n'est pas défini par les soufis. Donc n'importe qui peut faire quelque chose et prétendre que ce qu'il fait c'est le soufisme, et quelqu'un ne veut pas le critiquer ou le dire qu'est-ce que tu fais, c'est pas le soufisme, parce que justement le soufisme c'est basé sur des principes établis par des êtres humains et non pas établis par le Coran et la Sunna. Donc quelqu'un peut faire n'importe quoi au nom du soufisme et toujours prétendre qu'il est un soufi. Donc les autres soufis vont dire ah mais qu'est-ce qu'ils font eux, c'est pas correct, hein, comme par exemple certains soufis, hein, certains turcs soufis, hein, qui font certaines pratiques par exemple qui se rendent des aiguilles dans les yeux ou les joues ou dans le ventre, des trucs comme ça, qui font des danses, qui se balancent à gauche, à droite, qui font toutes sortes de pratiques bizarres, et ils disent que ça c'est le soufisme. Et il y en a d'autres qui vont dire non, ça c'est pas vraiment le soufisme, ça c'est des gens qui essaient de mentir sur le soufisme, ou qui font des choses fausses au nom du soufisme. Et donc les autres ils vont répondre, ils vont dire non, c'est parce que eux, ils n'ont pas encore atteint notre niveau dans le soufisme. Et donc, ils connaissent pas les secrets et les points que nous, on a découverts, que Allah nous a, soi-disant, montrés. Parce que les soufis, hein, ils croient qu'ils reçoivent des commandements ou des règles d'Allah directement, ou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, directement. Alors, c'est pour ça que, entre eux, ils sont toujours en train de se dire, nous, on est les vrais soufis, et les autres sont pas les vrais soufis. C'est ça. Chacun prétend que sa tariqa c'est la vraie, mais on sait qu'il y a des centaines et des centaines de turcs différentes et chacune d'entre elles prétend être meilleure que les autres, même si quand ils se réunissent, ils essaient de montrer qu'ils sont tous unis, mais en réalité, ils sont tous les uns contre les autres. تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Tu les crois réunis alors que leur cœur se déchire entre eux. كما ابن تيمية الذي مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب ومتفقون على مخالفة الكتاب. هذا كيف ابن تيمية أو سجل إيجان بدعة. Ils sont en divergence, et ça veut dire divergent, ils contredisent le livre, et ils sont tous en désaccord entre eux au sujet de la compréhension du livre et l'application du livre, du Coran, de la Sunna, mais ils sont tous d'accord entre eux pour contredire le livre. Hein. Ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'il faut qu'ils fassent le contraire de ce qui est dans ce livre, et contredire le livre. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera donc mercredi prochain. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.